Mes amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo et dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment créer des ennemis. Enfin, alors vous, vous avez sûrement découvert par vous-même que parmi tous les types d'entités, il, il, il y a une entité qui s'appelle les ennemis. Donc vous pouvez effectivement ajouter des ennemis comme le reste des entités, comme les buissons, les coffres et ainsi de suite. Et. Euh, il s'agit ensuite de choisir quel modèle d'ennemi vous voulez. Donc on a quelques modèles euh, prédéfinis comme exemple. On va par exemple essayer d'utiliser Goblin. Et ça devrait marcher tout seul. On a notre Goblin qui se déplace, qui peut nous blesser. Et on peut nous aussi le, le tuer. Voilà, il est mort. Donc, les modèles d'ennemis, ils sont tous dans le dossier Enemies ici. Et en fait, c'est des scripts. Donc, on a un script Goblin Green que vous pourrez aller voir qui définit les propriétés de notre ennemi. Euh, mais dans ce tuto, on va plutôt, en, on va plutôt créer notre propre modèle d'ennemi parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Et ça sera beaucoup plus facile à comprendre qu'un qu script existant euh, qui, qui est assez compliqué. Euh, mais en gros, voilà, vous avez un script Lua qui définit le comportement du modèle d'ennemi et vous avez le sprite qui va avec qui est toujours dans sprites slash enemies et ensuite il a le même nom que le script c'est-à-dire goblin green il doit exister euh, il est là donc c'est lui et il a plusieurs animations euh, donc si vous créez votre ennemi, dans votre map, il n'y a pas grand chose comme option ici. Par exemple, c'est pas ici que vous allez définir combien de points de vie il a ou ce genre de choses. Ça va être dans le modèle de l'ennemi. Parce que généralement, si vous créez plusieurs ennemis avec le même modèle, ils vont tous avoir le même nombre de points de vie qui va être défini dans le script. Euh, par contre, ici, vous pouvez choisir les quelques options qui pourraient être différentes sur, sur chaque instance d'ennemi. Même ayant le même modèle, par exemple, vous pouvez avoir envie que l'un, il est comme trésor euh, un rubis, et puis que celui-là il est comme trésor euh, rien du tout, mettons. Et puis après, euh, ainsi de suite, vous, vous pouvez encore mettre autre chose pour les, les autres. Donc, si on teste déjà ça, celui-ci il va nous donner un rubis et les deux autres ils vont rien nous donner du tout. Voilà le rubis. Enfin, là, j'aime. Voilà. Il est possible je vais en mettre qu'un seul de sauvegarder l'état de l'ennemi. Ça veut dire est-ce qu'il est mort ou non. Donc on va appeler ça goblin killed. Maintenant qu'il est sauvegardé, ça veut dire que si je le tue et que je reviens euh il n'est plus là. Il est mort pour de bon. Et à l'inverse, il est possible de sauvegarder aussi le trésor. Donc ça, ça serait plus pour les boss. Généralement, pour les boss, vous sauvegardez les deux d'ailleurs. Est-ce que le boss lui-même est mort et est-ce que le trésor du boss a été pris Parce que c'est des trésors uniques, par exemple. Dans Zelda, les boss donnent des réceptacles de cœur habituellement. Donc là, si je me souviens bien, j'ai sauvegardé l'ennemi mais son trésor donc l'ennemi revient si je le tue son trésor ne revient pas c'est bon ça marche euh, ça ça peut servir par exemple à un ennemi qui donnerait une clé la fois d'après euh, vous avez envie que l'ennemi soit à nouveau là mais, mais plus mais qui redonne pas une clé si la clé a déjà été prise et alors vous vous demandez peut-être ce qui se passe si je sauvegarde les deux et que j'oublie de prendre son trésor, mettons il donne une clé ou, euh, ou un, un, coeur, un gros cœur, des choses comme ça, je le tue, j'oublie de prendre le trésor, et bien comme c'est un trésor sauvegardé, le moteur va remettre en place le trésor à la place de l'ennemi. Et donc on va pouvoir le prendre. Si jamais le joueur oublie de prendre la clé ou le réceptacle de cœur, vous êtes sauvé. Donc c'est un petit détail qui peut être utile de savoir. Euh, ok, maintenant on va essayer de créer notre propre script d'ennemis. Et je vais vous expliquer les bases. Donc on va importer un, un sprite existant qui vient de du resource pack libre. Solaris Free Resource Pack. Vous pouvez faire votre sp pro propre sprite si vous avez du talent. Euh, ok, j'avais ouais, prévu, j'avais envie de prendre le globule qui est un ennemi. Euh, mince, il faut d'abord sélectionner juste la quête, bien sûr. Je ne suis pas dans le bon dossier. Excusez-moi. Je Solarus Free Resource Pack. Voilà, et je vais importer le sprite euh, global qui est un ennemi qui avait été créé euh, par Newlink. Dans Zelda Mystery of Solarus DX, si vous voulez tout savoir. Mais il est dans le ressource pack libre parce que c'est pas, j'ai oublié le PNG. Oh ben, j'ai du mal. C'est pas un ennemi de Zelda. Euh... Donc excusez-moi, fallait prendre les deux fichiers. Fallait prendre le sprite et le PNG global. Voilà, ces deux là. Fallait que je prenne. J'ai oublié lui. Ok. Donc maintenant. Euh, si j'ouvre mon sprite d'ennemi euh, globule, tac, voilà, il ressemble à ça. Alors, vos ennemis doivent avoir normalement toujours ces quatre animations. Hurt, enfin, on va commencer par walking, qui est l'animation habituelle. C'est juste il marche. Hurt, euh, quand, quand il est blessé, donc il va clignoter comme ça. C'est à vous de faire l'animation que vous voulez. Euh, Immobilisé. Il y a certaines armes euh, qui peuvent immobiliser les ennemis. Et Shaking, c'est une fois qu'il est proche d'être euh, en fin d'immobilisation, il va, il va bouger comme ça, il va trembler un peu. Et ensuite, il va, être, euh, il va repartir à zéro. Donc, normalement, il faut ces quatre animations toujours. Et puis, on va donc créer notre nouveau modèle d'ennemi. Global. L'auteur, c'est moi. Licence. Voilà. Donc, par défaut, notre script d'ennemi ressemble à ça. Alors, on va tout de suite le tester, puis après, on va essayer de comprendre euh, ce qu'il va dire. Alors, global, le voilà. Euh, je ne sauvegarde plus rien. Voilà. Donc c'est un ennemi dont le comportement est hyper simple. Par défaut, il va juste se diriger vers nous. <coughs> et il a un point de vie. C'est le script d'ennemi par défaut qui a été créé quand on a, quand on a fait le nouveau modèle d'ennemi. Euh, donc euh, les choses importantes à comprendre dans le script d'ennemi, c'est que chaque ennemi, si vous en avez plusieurs sur la map, ce script va être appelé... Une fois pour chaque ennemi. Et le moteur va passer en paramètres de votre script et bien l'ennemi lui-même. Et donc on utilise cette syntaxe, rappelez-vous, trois petits points, euh, qui veut dire les paramètres <laughs> du, de la fonction actuelle. Je les mets dans cette variable que j'appelle ennemi. Et à, à partir de là, vous pourrez aller voir la documentation, mais il y a plein de fonctions disponibles sur les ennemis. Notamment, vous pouvez choisir combien de points de vie il a. Par défaut, on a mis un point de vie. Euh, si vous mettez deux points de vie. Et que c'est une épée qui a comme puissance 1. Voilà, j'ai eu besoin de deux coups pour le tuer. Alors. Il a bien son, le sprite qu'il faut, mais le sprite ne se tourne pas vers nous. Ça, il va falloir ajouter un tout petit peu de code. Et on va s'en occuper tout de suite. Alors, je remets sa vie à. Hein. Cet événement là, on created, il est appelé quand l'ennemi bah, est créé, donc il va être appelé une fois pour chacun des trois. Et celui-ci, il va être appelé, je vais quand même laisser la, la vie à deux, il va être appelé à chaque fois que l'ennemi euh, recommence. En fait, <laughs> ça veut dire qu'il est appelé euh, déjà à la création, mais aussi après avoir été blessé ou après avoir été immobilisé, par exemple. Donc, il faut qu'on recrée ces euh, mouvements, typiquement à ce moment-là. Euh, on verra ça en, en, un petit peu plus en détail plus tard, mais là, on crée un mouvement de type target pour aller vers le héros. On, on dit que la cible c'est le héros, qu'il a telle vitesse, et on démarre ce mouvement. Euh, vous pouvez aller réviser le tuto sur les mouvements si vous vous en souvenez plus, mais là, c'est un mouvement hyper basique. Euh, Ici, on a créé un sprite avec le modèle d'ennemi. Donc, généralement, ce code-là, vous n'avez pas besoin de le changer. Il est possible d'avoir des ennemis qui ont plusieurs sprites. Euh, il est même possible que certains des sprites euh, blessent le joueur de différentes façons. Et, ou l'inverse, par exemple, un soldat qui a une, une épée, si vous tapez sur le sprite de l'épée, euh, ça va pas le blesser mais si vous tapez sur le corps ça va le blesser il est possible de faire ça mais on verra un petit peu plus tard hum, ce que je voulais vous montrer oui c'était pour le sprite j'ai envie qu'il se tourne vers nous alors comme c'est un sprite qui a quatre directions celui-ci euh, on va juste dire que quand le mouvement change donc il y a un, un événement pour ça on movement changed ça veut dire dès que le mouvement change de vitesse ou d'angle ou de n'importe quelle propriété, euh, cette fonction va être appelée. Et donc, on va dire au sprite, alors la variable sprite elle est déclarée ici. Donc, même si je l'ai créée dans cette fonction, je peux toujours l'accéder depuis là. Euh, sinon, on pourrait aussi y accéder en faisant ennemi get sprite. Mais bon, c'est comme vous préférez. On va dire au sprite de prendre alors quelle direction En fait, il faut votre mouvement, il a un angle qui peut être n'importe lequel. Par exemple là, il se déplace euh, ni en diagonale, ni tout droit, il se déplace directement vers nous avec n'importe quel angle et euh, on va demander au moteur de convertir en quelque sorte l'angle de la direction. Alors, on pourrait faire moment get angle qui nous envoie qui nous donne un angle en radian et le convertir dans la direction la plus proche euh, entre 0, 1, 2 et 3. 0 étant à droite, 1 étant en haut, etc. Euh, avec une petite formule, c'est pas très compliqué de le faire, mais c'est tellement courant d'avoir besoin de faire ça que le moteur propose déjà la conversion. Movement, get, direction for, direction 4, ça veut dire euh, donne-moi la direction la plus proche parmi les quatre directions principales de l'angle actuel la plus proche de l'angle actuel et donc là ils vont maintenant toujours se tourner vers nous dès que leur angle change cette fonction va être appelée et donc euh, leur sprite va euh, prendre la direction parmi les quatre directions principales celle qui est le plus proche de l'angle du mouvement ouais, j'espère que c'est assez compréhensible. On verra comment faire des choses plus évoluées les prochaines fois. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que created il est appelé une seule fois. Donc là, on va initialiser les choses euh, initiales, justement. <laughs> on, on va déclarer les propriétés initiales. Combien de vie il a au début. Euh, combien de dégâts il fait. Parce que ça, ça ne va pas changer. Il n'y a pas besoin de... Généralement vous ne changez pas le nombre de dégâts. Euh, créer son sprite. Voilà. Par contre, celle-ci, elle va être appelée à chaque fois que le, le moteur a besoin de redémarrer en gros l'ennemi. Donc après que l'ennemi a été blessé notamment. C'est pour ça que le mouvement on le crée ici. Euh, parce que pendant que l'ennemi est blessé, il a un autre mouvement provisoire. Et euh, donc ça écraserait le. ça écrase le mouvement. Je veux dire que si vous aviez fait ça ici et que vous blessez l'ennemi, bah il ne va pas redémarrer parce que pendant que l'ennemi a été blessé, le moteur a remplacé votre mouvement par un mouvement prédéfini du moteur pour repousser l'ennemi. Et ensuite, bah, c'est ça qui est appelé et comme on ne fait rien, il ne se déplace plus. C'est pour ça qu'on met les mouvements dans « On Restarted » toujours les mouvements ou les timers euh, on verra un on fera d'autres exemples d'ennemis j'ai envie de faire un exemple d'ennemis dans les prochains tutos euh, qui lancent des projectiles euh, à intervalles de temps réguliers donc en utilisant des timers euh, et puis de faire euh, des ennemis ayant plusieurs sprites ça va être deux prochains tutos euh, mais je crois que je vous en ai déjà assez dit pour ce tuto-là, il y a déjà pas mal d'informations. Encore une fois, ça c'est les deux événements les plus importants. Euh, bien sûr, allez voir la documentation. Vous verrez qu'il y a plein de fonctions disponibles pour les ennemis. Mmh. Donc ils sont dans les entités ennemis. Vous en avez vraiment beaucoup. Et pas mal d'événements aussi. Donc, il est possible de personnaliser pas mal de choses. Euh, par exemple, vous pouvez dire. Vous pouvez dire cette attack consequence. Vous pouvez dire que quand il reçoit un coup d'épée, je veux que qu'il qu soit blessé de tant de, de points de vie. Vous pouvez dire que quand il reçoit un objet lancé, genre un vase, eh bien ça lui fasse un autre effet, par exemple ça lui fait plus de dégâts ou moins de dégâts. Ou vous pouvez dire que quand il reçoit une explosion, euh, il est insensible à l'explosion. Donc pas mal de choses sont, sont personnalisables. Euh, voilà, c'est juste pour que vous sachiez. N'hésitez pas à aller voir la documentation et à poser des questions. Venez sur le Discord, il y a toujours la communauté pour vous aider. Euh, c'est tout pour ce tuto encore une fois on va voir plus tard d'autres exemples d'ennemis un tout petit peu plus évolués euh, mais il est important de déjà bien comprendre les bases à partir de, de ce script là merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment